je t'aime. Hop, on va prendre la petite voiture, on va faire une petite vidéo à la Master Batman. On va faire une petite vidéo à la Master Batman. Allez, on commence la voiture. Bon, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Je vais tout simplement arrêter de masturber pendant 100 jours, d'accord? Donc attendez, je démarre ma voiture. Parce que c'est vrai que... Je sais pas conduire en fait. Voilà. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Un peu à la style Master Batman. Donc voilà, une petite vidéo tout simplement, je vais vous apprendre à écraser des gens facilement. Donc alors, c'est très simple, voilà, je vais prendre un strike à l'aide. Alors, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser un défi. Pardon, attends, lui, attends, pas vite ma mère, lui, t'es mort. Ça dit quoi? Et alors, j'ai une cagoule. On lève ta cagoule. Quoi? Je me sens pas bien. Monsieur, on a fait un accident, monsieur. Vous allez bien, monsieur? Votre cœur, il bat vite? Non. Alors, par contre, lui, il va avancer, lui, là. Et alors, j'ai une cagoule. Et alors, ça fait quoi que toi, tu ressembles à un arbre? Comme... Hein? Vas-y, attends. Ma mère, lui. Non, vite, ma mère, attends, viens. Attends, lui, je vais l'attraper, lui. Et toi, là. Ta gueule, toi, la ville. Hein, t'as dit quoi? Vas-y, je t'attrape. Je me gare, attends, 2 secondes, j'arrête la vidéo, je me gare. Non, en fait, j'ai la flemme, t'es trop musclé, ça, merde. C'est la police? Arrête, hein. Je me gare, oui. Mes papiers? Comment ça, mes papiers? Mes papiers des toilettes? Comment ça, mes papiers? Arrête. Pourquoi je vais avoir besoin de votre force? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais tout simplement arrêter de me masturber pendant 100 jours? Donc c'est un défi que je me suis fixé. Mais alors pourquoi je vais arrêter de me masturber pendant 100 jours? Vous allez savoir pourquoi? Parce que j'ai appris il y a quelques temps hein, déjà. Que la masturbation. Attends, déjà on va couper le moteur. J'ai appris déjà il y a quelques semaines que la masturbation était très néfaste. C'était pas du tout bon pour le corps. Pardon. Donc voilà, la masturbation est pas du tout bonne pour le corps. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pourquoi est-ce qu'elle est pas bonne pour le corps? C'est sûr. Parce que bon, ouais, se masturber, c'est quelque chose que nous les hommes on fait pas mal de choses. C'est pas français, je suis allé à l'école ou pas? Non, pas du tout. Donc c'est, voilà, la masturbation c'est quelque chose qu'on fait sans même s'en rendre compte, hein, si vous voulez. Là, on est posé dans son lit et quand on n'a pas de meuf, on prend le tuyau et on tire dessus comme si c'était un pistolet à eau, tu vois, bon c'est normal. Mais alors pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire le défi d'arrêter de me masturber pendant 100 jours? C'est parce que j'ai appris il y a quelques temps justement que se masturber en fait, ça pouvait créer justement dans le corps et dans le cerveau trop de satisfaisance en fait. C'est-à-dire que quand tu te masturbes trop en fait, ton corps en fait, ton corps il génère ce qu'on appelle de la dopamine, je crois que c'est ça, de la dopamine ouais c'est ça, de la dopamine, je suis pas médecin frère. Ton cerveau va créer beaucoup trop de dopamine dans ton corps et en fait quand tu te masturbes et que par exemple tu vas regarder un film porno par exemple, d'accord, ton cerveau lui il va pas forcément faire la liaison entre la réalité et les images. C'est à dire que quand tu te masturbes sur un film pornographique avec une jolie fille à l'intérieur, ton cerveau pour lui en fait dans ton cerveau il prend ça comme voilà, j'ai couché avec une belle fille, alors qu'en fait c'est juste une vidéo, tu vois. Et ben en fait c'est ça en fait, quand tu as un rapport sexuel ou que tu te masturbes, et ben ton cerveau il va créer de la dopamine. La dopamine c'est une hormone du plaisir, je crois, c'est une hormone du plaisir en fait. Et en fait quand on se masturbe trop, parce que c'est vrai, voilà, je dis que j'arrête de masturber, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'arrêter de vous masturber. Et moi j'arrête de masturber parce que je veux vraiment voir les vrais effets de l'arrestation du masturbage. Donc voilà, je vais vraiment avoir besoin de votre force les gars, dans les commentaires, même sur les réseaux sociaux les gars. Pendant 100 jours je vais arrêter de me masturber et on va voir justement dans 100 jours quels effets ça m'a apporté au niveau de mon corps, si j'ai eu une hausse de testostérone, si dans mes journées justement je suis plus motivé. Mais vous allez me dire, ok, d'accord, ça crée de la dopamine, ok, mais c'est bien vu que c'est l'hormone du plaisir. Et ben en fait, pas du tout, c'est pas, en fait, d'en avoir trop, c'est pas bien parce que justement, ton corps va se mettre en pause un peu, il va se mettre bien, tu vois, et tu vas te mettre bien. Tu vas avoir un manque de motivation, tu vas avoir un manque d'envie totale, un manque d'intérêt total et ça peut même justement amener à la dépression. J'avais vu ça sur une vidéo d'un mec chinois et tout, il avait l'air pas mal, vraiment il avait l'air trop déter le mec et tout. Je crois que c'est R.I.M. là, le mec là, le chinois, franchement, dédicace à toi, j'ai vu ta vidéo et je voulais justement, en regardant ta vidéo, je voulais masturber. Non mais ça va trop loin. Donc voilà les gars, je vais avoir
besoin de votre force sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, la cagoule YT3, sur Instagram, pour justement voir ce que ça va m'apporter au bout des 100 jours. Comme ça, ça va vous permettre vous aussi de voir ce que ça fait et pourquoi pas tester l'expérience. Voilà, laissez-le dans les commentaires et puis let's go, on a fort.